Les amis, je vous prends une minute pour vous parler de Car Vertical. Les amis, vous connaissez Car Vertical, c'est quoi? C'est tout simplement le site qui vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture avant l'achat grâce à la plaque d'immatriculation ou le VIN de cette dernière. Qu'est-ce que ça vous permet de voir tout simplement? Ça vous permet de voir si le kilométrage de votre véhicule a été trafiqué avant achat, s'il y a eu du vol ou s'il y a eu un accident. Le rapport qui m'a été fourni aujourd'hui se présente sur une Yamaha MT-07. Vous allez le voir quand même, c'est franchement super d'avoir tout ce rapport parce que regardez, vous avez simplement l'activité localisée du véhicule. On peut voir qu'il provient d'Allemagne, qu'il a été importé en France, et c'est là qu'on va avoir des petits soucis sur le véhicule. Alors déjà, on voit s'il a été volé ou pas. On voit que la courbe kilométrique, quant à elle, est saine. Il n'y a pas de souci pour ce bolide là. Mais on va voir qu'il y a eu des problèmes au niveau des dommages. Alors on a un coût de réparation estimé en fait. C'est que Car Vertical travaille avec les systèmes d'assurance, avec les systèmes de police, tous les registres. Du coup, ils ont toutes ces informations là. Et donc ça nous permet de voir que tout simplement cette petite Yamaha a tapé, et vous avez les photos si elles ont été transmises par l'assurance. Du coup, on voit que la MT là, bon, ça va être en ligne d'origine. Il n'y a pas un accra qui a été pété. Mais j'espère que rien n'a été cassé au niveau du conducteur. En tout cas, voilà, ça vous permet de voir ça, de voir toutes les petites vérifications sur votre véhicule. Les amis, si vous voulez profiter de Car Vertical, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est en description et utiliser mon code Léonat qui vous permet d'obtenir 20% sur le site de Car Vertical. Voilà, si vous n'êtes pas satisfait du rapport que vous obtenez, vous pouvez demander le remboursement ou avoir un crédit supplémentaire pour réexaminer un véhicule. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, on est aujourd'hui dans le reportage automoto. Les amis, aujourd'hui, on vous présente la nouvelle Golf 5 GTI des jeunes permis, les voitures de brigands, survitaminées à la betterave. Les amis, on se retrouve avec Marius, vous le connaissez depuis belle lurette sur la chaîne, ça va Marius? Ça va quoi? Ça va? T'es habitué à la lune? Et ça tabasse les yeux. T'as eu ton permis? Mon permis, ouais. T'as acheté un nouveau bolide? 18 ans, permis, bolide. 18 ans depuis quoi? Depuis 2 mois. 2 mois, 18 ans, deuxième voiture. Ouais. T'as eu quoi avant? Une Audi A3. Une Audi A3. Une bébé Audi A3, hein. Comparé là au bolide de guerre. Bah au bolide A3, on montre pas encore. Oh, on montre pas encore, non ça va. Les amis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu pour que j'en fasse plusieurs sur d'autres véhicules. Dites-moi ce que vous en pensez du format et n'hésitez pas à participer au concours pour tenter de gagner la derby, les amis. Il vous reste une semaine pour participer. Vous prenez un t-shirt ou un pull et vous avez une chance de gagner la derby. Présente-nous ton bolide de guerre, Golf 5 GTI, quelle année? 2004. Vas-y, fais-nous la présentation automoto. Je t'écoute, Marius. Le micro est là. Golf 5 GTI 2004. 2004? 2004, elle est neuve dans le papier. À la... voilà, tu vois. On va faire l'extérieur, après on va faire l'intérieur. Voilà. Alors là, nous avons un A Supermote. Ouais, c'est le A des motos, ça. Ouais, ça. Ouais, en vrai, ça rend bien, ça va. Hein. Ouais, c'est parce que vas-y, si. Mais si t'as caché la plaque devant. Ouais, pas derrière. Bah, je vais foutrer derrière. C'est pas grave. C'est pour les bleus. Et... plaque personnalisée GTI, quand même. Perso. Échappement d'origine. Non. En fait, il y a un silencieux à l'arrière. Ouais. Et sinon, c'est tout. Un full. Voilà. Okay. Et c'est une sur mesure. Sur mesure de je sais pas qui, parce que moi je l'ai acheté comme ça, tu vois. Toi tu l'as acheté comme ça, t'as rien fait depuis que tu l'as eu? Non, à part mon passage au banc. À part ton passage au banc. Et là j'ai commandé mon admission, parce que du coup là... Frais de douane. 100 000 euros. Frais de douane 40 euros. Ouais c'est ça, ouais. Non là j'ai commandé une admission, après je sais pas, par la suite peut-être changer d'autres trucs. Ok, donc niveau esthétique t'as rien changé de plus? Non en vrai pas grand chose. Hein. Donc d'origine elle est esthétique? D'origine, ouais. Non, les d'esthétique, elle est d'origine. Ouais. Voilà, c'est ça. Genre là, il y a les gens d'origine et tout, enfin, d'origine des GTI, tu vois. Ouais. T'inquiète, on vient d'aller à laver, mais t'inquiète, elle est encore propre. T'inquiète, ouais, c'est très propre tout ça. T'inquiète, les fonds bleus, ça nettoie bien. Nettoie bien, voilà. Petit rappel GTI, ça c'est beau quand même. Hein. Ça va, on dirait pas que c'est. Tu sais que je l'ai rajouté il y a 3 jours. Ah ouais? Tu sais que j'ai commandé où? AliExpress. AliExpress. Ah, mais ça, de toute façon, tu arrives à choper des pièces pour pas cher. Mais ça, parce que pour 2004, c'est pas non plus trop vieux comme voiture. Bah, en vrai, ça se fait. Enfin, on verra surtout après au niveau de l'intérieur, ça va quoi. Non, en vrai, esthétiquement, à part le mec d'avant, je sais pas en fait, ces feux-là, ouais. C'est les feux des TDI, des Golf 5 TDI. Et en fait, les feux de GTI, tout le fond là, il est noir. En gros, tu vois, derrière là où c'est blanc, c'est noir. Préféré. Bah ouais, ça fait plus beau, tu vois. Devant, tu vois le fond noir. Ouais. Ça, ça va, elle a quand même une petite gueule là. Ouais, après... on parle quand même d'une voiture jeune permis quoi. D'une voiture 18 ans. 18 ans. 18 ans. 18 tes dents. Voilà. Comparé, mais... comparé à la A3, tu préfères ça largement. Ah ouais. Bah, en vrai, la A3 c'était un autre truc aussi, mais c'est pas la même chose. Ouais. La A3 c'était plus. Ok, vas-y. Plus pépouce, tu vois. Bah, ce que je pense, c'est qu'on va faire le moteur. Ensuite, on va faire le test. On présentera l'intérieur en même temps. Ouais. Parce que là, faut que tu nous ouvres le capot là. Ah, le capot, c'est ringard. C'est ringard. C'est ringard. Quand je te dis, c'est ringard, tu vois. Tu vas choquer. Hein, un petit teasing de l'intérieur pour du 2004, on verra que c'était beau quand même. T'es prêt à avoir du ringard?
Attends, cache un peu la cam. Je dois regarder s'il y a tout ce que... Vas-y. Alors attends, on rebranche, on remet tout. Bon attendez, là il manque le cache FSI, mais vous inquiétez pas, tout ça ça va virer, il va y avoir l'admission qui va arriver là. Tout l'admission elle va arriver là, là. Elle va se mettre là tu vois. Admission, là. En fait tu vois rien là. Ah, y'a rien. Gros, tu t'as un cache en fait là, tu dis c'est quoi ce moteur de... C'est quoi ce truc de merde là, t'es en train de... Tu te dis ouais c'est quoi ça. Ouais. Tu vois. Bon, ça. Du coup on voit rien. On voit rien. C'est, voilà. C'est, tu vois c'est... C'est... Ok. Tu vois, des fois tu ouvres des capots c'est beau. Ouais. Ah, là tu ouvres un capot là tu... Vas-y monte nous le coffre. Ouais. Si y a de la... C'est là bientôt place. Je pense je vais changer de jante aussi. De jante. Et gros je te jure je vais à la station et tout. Déjà je l'ai acheté, elle était marbrée comme ça tu vois cette jante là. Ouais. Là il a... Déjà je vais à la station puis je lave et là pas la peinture elle saute. Ah ça c'est relou. Le coffre, combien de litres? Regardez pas trop, je sais pas. Deux bouteilles d'eau. Il y a quoi là-dedans? Ah regarde pas c'est le bordel. Bon ça va en vrai il y a de la place. Prise, ah, ouais, 12, prise 12 volts dans le coffre. Sale. Donc, le mec... Trappe de ski. Ah ouais c'est vrai. Pour aller au ski. Ouais. Tu vas aller au ski? Bah ouais je vais au ski moi bientôt. Voilà pas mal. Tu rappelles GTI. En vrai après c'est une Golf classique hein, en d'extérieur. En vrai je te jure. Bon avant quand il y avait pas le logo GTI à l'avant. Ouais. Tu pouvais très bien dire en fait j'ai mis la bande rouge tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai quand tu regardes de devant Ouais. Tu te dis ouais c'est une 9-5. Ouais c'est classique. Bah comme il pleut je propose qu'on aille directement à l'intérieur du bolide. Allez. Pour aller faire la guerre, on va présenter déjà l'esthétique. Attends peut-être si... Peut-être l'enlever parce que si on nous barre. Bah ouais. Après on va faire le test. Moi je suis voiture, tu vois. Et pas encore pour moi. Moi j'attends encore un petit peu. Franchement ça va, on est confort. Hein. Présente-nous ton intérieur là. Alors, siège écossais c'est ça? Siège ouais, écossais, GTI. Ils sont baqués? Ouais c'est du GTI. Et là par contre, regardez bien. Tu vois là ça commence à se craquer. Mais toutes les GTI, je te jure, tu regardes. Si peut-être tu... Même l'oreille, tu vois, là, le mec d'avant, tu vois, il devait être un peu lourd. Un peu costaud sur les bords, après c'est pas être méchant, mais tu vois, la mousse, elle est un peu... Ouais, c'est un gros lard, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Et du coup, tu vois, là, ça sur toutes les GTI, c'est arraché. Et ouais. Moi, pour le moment, ça a l'air d'aller, mais il faut que je fasse un truc pour pas que ça s'arrache, tu vois. Ouais, exactement. Bon, après, le tapis, là, il est un peu sale, tu vois, le volant GTI, tu vois, il a commencé un peu... Ouais, bah, il y a son temps, quoi. Ouais. Compteur, siglé jusqu'à combien? 300, on prend 310 au moins. 300 siglés. Ouais. C'est quoi ce bordel? C'est une Veyron. Ah, c'est t'as bon. La vraie dégaine du Go Fast. Bah niveau intérieur, en vrai, ça a pas pris une claque. Hein. En vrai, en plus c'est l'autoradio et tout d'origine. Il est nouveau ton pommeau de vitesse. Ouais. Ouais, parce qu'il est beau. Ouais, c'est un AliExpress. Ah ouais? Mais la dernière fois, je passe un rapport, et là, je l'ai arraché le truc. Il est parti dans ma main et tout. Tout ça c'est neuf là, parce que là c'est beau en vrai. Ouais, c'est neuf. Bon là, il y a des ampoules et tout. T'as des petits rangements. Y'a rien, ça va, y'a pas de la cocaïne. Là, petit rangement. Petit rangement aussi. Petit rangement pour enlever les côtés. Là aussi. Petit rangement. Ah ouais, ça c'est pour les meufs, ça. C'est le rangement des meufs. Après derrière. Mais en vrai, derrière, est-ce qu'il y a de la place? Moi qui est grand, bof. Ouais. Bon, ça tu rentres quand même des gens derrière. Ouais. Ça va, bon, ça, 4 dedans, en vrai, t'es bien, tu vois. Toit noir. Toit noir, attention. De toute façon, là, je peux mettre mes lunettes, tu vois. Ça sert à rien, ça. Tu mets jamais tes lunettes dedans. Ouais, j'ai pas de lunettes. Mettre d'autres trucs. Ah non t'inquiète ça c'est normal ils sont là. Et là aussi rien. Oui. Les gens il faut comment pour mettre leur voiture? Hey, j'ai toujours voulu savoir. Tu l'as dans ta voiture en fait. Frère, viens. Et gros tu la pousses, elle tombe dans l'eau là. Donc là niveau moteur en fait tu nous as pas dit là. T'as fait le cachotier? Voilà 400 chevaux. C'est quoi comme moteur déjà? C'est un 2 litres TFSI. FSI TF. Ouais. Combien de chevaux d'origine? 200. Ouais. Et 300, non ça fait combien? Ça fait 200 d'origine. Ouais. Et je sais plus combien d'énèmes. Et là maintenant? Là elle fait 260, ouais, 260 et 400 000 mètres je crois. Passage au banc. Passage au banc dans un vrai truc avec trois passages au banc et tout. Donc là t'as les vrais chiffres. Là j'ai les vrais chiffres. Mmh. En vrai on est plutôt bien installé. Vrai, hein. Je suis trop bien installé. On est bien installé. Hein. Ils sont droite gauche, ils tiennent. Vitesse hein. Maxi 233. Et c'est faux. Enfin d'origine c'est 233. Ouais. Après c'est... C'est autre chose. Consommation 8 litres, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ah, pareil. T'as à combien là de consommation? Je sais pas. 12? Attends, je sais pas où ils sont. En moyenne, tu fais du 12? Ouais, plus. 13? Oh, 15 litres. Petite cinématique. Ça, c'est d'origine. Ouais, attention. 15 litres? Ouais. Donc, un plein, combien de kilomètres? Bah là, par exemple, j'ai presque le plein, je suis à, il me dit 360 km. 360 km d'autonomie. C'est vrai que c'est pas des masses. C'est... Hein. En fait, c'est soit il faut avoir soit à l'éthanol. Ouais. Mais maintenant, l'éthanol, c'est ouais, maintenant, l'éthanol au prix que et ça coûte. Et elle roule là, je roule que à l'essence. À l'essence. Ouais.
Et en vrai, tu peux faire carte éthanol et tout, mais... Non. Bah sur cela, si, ça se fait, tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais, ça se fait sur les Golf 5, Golf 6 et tout, mais moi, je le ferai pas quand même, tu vois. Surtout, je préfère rouler l'essence. Bah c'est sûr. Parce que là, du coup, ce sera pour les jeunes permis qui sont intéressés. Tu nous parles niveau tarif, niveau prix, niveau budget pour avoir ça, pour avoir ça, l'assumer entre guillemets. Alors là, assumer ça, en fait, le truc c'est que tu vois, à l'achat des Golf 5 GTI, t'en trouves pas trop cher. Genre, une bonne Golf 5, c'est au moins. 5, 6. Ouais, c'est au moins 7-8. 7-8. Si tu veux une Golf 5, même à 7-8, t'en trouves quand même avec 180 000. Ouais, il y a déjà des kilomètres. Tu vois, pour trouver des bonnes Golf 5 propres, c'est au moins 9-10. 9-10. Mais ça prend des prix de malade maintenant. Mais le truc c'est que tu as déjà l'achat de la voiture, donc tu comptes 8000 euros à peu près. L'entretien. T'es cher. C'est cher. Après tu vois, t'achètes ça, tu sais que c'est cher. Bah c'est sûr, quand t'achètes une 206, c'est ouais, tout. C'est après, ça. C'est pas la logique. Niveau assurance. Assurance, on est dans les environs de 120 euros. Ouais, en tout risque, déjà faut trouver où l'assurer. Faut trouver, ouais. Parce que ça, souvent les gens ils me disent ouais, comment tu fais et tout. Bah, j'ai trouvé et. Je sais plus. T'es chez qui? Ouais, c'est Groupama. Ouais, enfin, Groupama. Il me semble que c'est Groupama. En tout risque, 120 euros environ. Il faut trouver l'assurance. Et après, tout risque, hein, là, 120 euros parce que j'ai fait conduite accompagnée. Conduite accompagnée. Et j'ai fait un stage avec l'assurance. En gros, c'est l'assurance qui propose un stage de conduite. Je sais même pas. Ouais, et il m'a proposé ça. Il m'a dit en fait, si on fait pas le stage, tu payes autant. Et si tu fais le stage, non. Okay. Mais le stage, moi, je dois payer 150 euros de ma poche. Donc en vrai, t'es sur un budget de 8-10, et après, 8-10. À l'année, tu comptes 1500 euros d'assurance. Ouais, c'est ça, plus frais. L'entretien, les frais. Les frais, en ça coûte cher, en fait. Bah, quand même. Enfin, tu vois, moi, c'est parce que je travaille et tout, sinon, ça. Sinon, t'as pas ça en jeune permis. Tu peux pas. Tu peux pas réussir à. Enfin, tu peux pas assumer ça sans. Sans travailler. Sans travailler. Ce qui me paraît logique. Ouais. Même moi en travaillant, c'est comme chaud assuré. Ouais, exactement. Ouais. Ah non, ça faut pas montrer les voyants. Comment s'appellent les mecs là, les gens qui sont toujours là. Ah, il y a un voyant moteur, Ah oui, les haters. Les haters. Ouais, et bah, le voyant moteur, les mecs, si vous voulez, je branche la valise tout de suite. C'est une sonde lambda. Une sonde lambda. C'est, vous inquiétez pas, je suis. Enfin, moi je suis dans le métier donc. Il est dans le truc quoi. Ah, je suis dans le truc. Ouais. Il est dans le truc. Non, à partir pour un test routier. De base, il y avait une caméra sur le toit. Il y avait tout, plan drone et tout. Mais regardez, les amis, il fait. 10 degrés, il pleut. Bon, voilà. Du coup, on est bien à l'intérieur. En vrai, de vrai, on est bien. Tu descendrais genre Marseille avec ça? Non, si on parle pas niveau consommation. Si on parle niveau confort et tout, peut-être. Ouais. C'est un peu tape cul. C'est un peu tape cul, mais en vrai, c'est easy, tu vois. Ouais. À droite, ouais. Ouais, moi, sur les lignes là-bas. Vas-y. Tout en vrai, respectant les règles de vitesse. Toujours. Il y a le régulateur. Non. Il y a pas le régulateur? Il a pas. J'ai juste à changer le commodo et en fait, t'as le faisceau d'origine. En gros, moi si je peux le rajouter. Tu peux le rajouter. Ouais. Tu peux le rajouter, mais je le ferai. Bah, j'en ai pas vraiment besoin en fait. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois, moi, je vais au travail. Ouais. C'est le daily. Non, à côté t'as une 206. Non. Bah, je l'ai plus. Ah, tu l'as plus. Ah, voilà. Bah, j'avais une 206. Ouais. Daily. Et ouais, je voulais acheter une voiture pour les tous les jours, tu vois. Et ça, face à l'Audi, niveau confort, c'était pareil. L'Audi, elle était confortable quand même. Ouais, elle était plus confortable. Plus confortable, moins tape cul. Mais tu sais que l'Audi et celle-là, c'est le même châssis. Ah ouais? En gros, Audi A38P et Golf 5, je te jure, tu commandes les pièces par exemple d'une Golf 5, ça va être écrit Golf 5, Audi A38P. Mmh. Exactement le même châssis en fait, c'est tout pareil. Genre, tu regardes les freins, ça dépend parce que ça, c'est des gros freins quand même. Tu vois, là, tu veux soit à droite, il y a des lignes, soit là. Bah là-bas, c'est des lignes d'étalage. Ouais, c'est les plus. Attends, c'est plus là-bas. Ouais. Donc voilà. Sinon, ça va niveau freinage, châssis, t'aimes bien? Ouais, ça va, après c'est une Golf. Hein. Ouais. Les gens, ils vont savoir que Golf. c'est Golf quoi. Ouais, ça tient, mais tu peux pas. Les gens ils disent ouais, quand même ça tient et tout, et ça tient bien quand même, mais ils sont mouillés, ça sert à rien. Ouais. Ben, c'est pas. Donc, ligne foutue. Ça y est, je t'insère sur. Heureusement, parce que je pense que ça se trompe. Ouais, sinon là, ça va, à rouler tous les jours, t'es pas trop. Ah, le rapport. Allez, cassé. J'ai cassé la boîte. Cassé la boîte, en direct. Non, ça va, rouler tous les jours, le bruit ça va, c'est pas trop sourd non plus. Ouais, bah ça va. Non, après, rouler tous les jours, le problème c'est. Ouais. C'est quoi le problème à rouler tous les jours? Bah, c'est. C'est niveau consommation et tout, quoi. Faut pas se casser le cou! En vrai. Faut pas perdre le permis. Bah, faut pas faire le con. Faut rouler en toute sécurité. Jamais le con. Voilà, exactement, ouais.
Là, c'est en fait, c'est parce que. Juste retourne la caméra. Ouais, je retourne la caméra. Montre juste l'endroit. Voilà. S'il y a des gens dans les commentaires qui reconnaissent. Petit clin d'œil. À partir de ce moment-là, on arrête de filmer la route. En vrai, ça va. Hein. Et vitesse allemande d'autobahn, t'es à combien avec ça? L'ancien proprio. Là, c'est. Mais oui. L'ancien proprio, il a pris 2,60. Autobahn, voilà donc. Comme un 2,60, mais vraiment à fond. Ouais, à fond. Ça va au niveau du bruit, c'est pas trop sourd. Hein. Non, ça va. Et elle gueule pas trop parce que. Toi, ce que t'aimerais, c'est le popanban. Ouais. Je peux aller taper derrière si tu veux. Mais voilà, sinon, à rouler tous les jours, ça tient plus ou moins. Et... On va vous filmer ça d'extérieur, les amis. Voilà, donc là, c'est très bien pour faire des vidéos. Hein. C'est très confortable. Moi, je vais aller sur le bord de la route. Dans les règles de l'art. Bon les amis, on sait pas où s'arrêter la GoPro. Normalement on a l'air d'avoir le test à l'extérieur, j'espère qu'on l'a eu. En tout cas niveau intérieur, là on finit à l'iPhone, c'était plutôt pas mal. Hein. Toi t'en es content? Ouais. Qu'est-ce que tu lui reprocherais? En vrai ce serait châssis. Châssis? Bah en vrai il est bien mais... Peu de puissance, 260 chevaux, c'est déjà beaucoup, tu vois. Ouais. Par exemple, j'ai des Michelin Pilot Sport 4 à l'avant, c'est des pneus de malade, tu vois. Et bah, sans mouiller, ça sert à rien. Ouais. J'accélère, ça perd. Mmh. Ah, c'est joueur, tu vois, mais. Enfin, bon, je trouve pour le peu de puissance que ça, ça. Après, ok, c'est toutes les voitures pareilles, mais tu vois, c'est. Après, en vrai, il roule tous les jours avec ça, enfin, t'es bien, mais c'est vrai que t'es confortable, hein. C'est une voiture de fou, quand même, tu vois. Ouais. Avoir ça, vrai jeune permis, c'est. Pour ceux qui peuvent le se permettre, tu conseilles. C'est quoi l'équivalent de ça en. Genre l'équivalent. Ouais. En... Chez les concurrents. Chez les concurrents. Chez par exemple, tu vois, chez Peugeot, on va dire. Après, c'est pas les mêmes années, tu vois. Ouais. Et chez Peugeot, tu vois, ils ont fait la 208 GTI, tu vois, 200 chevaux. Elle est peut-être un peu plus récente que celle-là, tu vois. Mais ça est équivalent, tu vois, un peu. Ouais. Après, il y a quoi, Mégane 2 RS. Ouais. Ça fait 225 chevaux. Ouais, c'est à peu près les mêmes années. Bah, en budget jeune permis, t'as quoi, en fait Vers ces prix-là. Ouais. Si je veux acheter une voiture, par exemple, demain, là, si tu veux acheter une voiture. Non, en vrai, si toi, demain, tu me dis, ouais, j'ai 8000 euros, je veux acheter une voiture. Clio 2 RS, j'aime bien. Clio 2 RS. Mais c'est Renault, mais... Ouais. C'est beau, quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est mini, c'est beau, tu vois. Belle voiture, tu mets des petites jantes, tu vois, un petit truc stylé, tu vois. Il y a de quoi faire beau. Après, je sais pas trop les prix de ça, je pense que c'est dans le même prix que celle-là. Ouais, ouais. Après, il y a quoi? Il y a. Après, je te jure, dans ces équivalents de ces prix-là, S3, ici les S3 8L. Ouais, les anciennes, S3. Ouais. En Seat. Pas comme moi, il y a ici à Tibisa aussi. Ouais, c'est à Tibisa, c'est dedans. Ouais, mais il y a. Moi, je sais que tu vois, les S3 8L, c'est des altitudes turbo. C'est altitude turbo, c'est. Et en gros, c'est de la merde. Et moi, je sais que. Tu fais demi-tour là, on va partir là-bas. Quand tu une S3 8L, j'ai déjà fait un test. La S3 8L était derrière, alors que la S3 8L était pareil, était stage 1, voire stage 2, elle avait plus de pièces, tu vois. Après, une S3 8L, ça fait. Ça dépend laquelle. Mais je me semble c'est soit 225 chevaux, ou soit 180, ou il y a la 150, je crois, qui existe. Mais je suis pas sûr du tout. Je veux pas dire de la merde, tu vois. Mmh. Et je crois que c'est ça. Après, t'as la S3 8P, mais. S3 8P, c'est 265 chevaux, tu vois. Ouais. C'est pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, t'es pas dans la même gamme. Ouais. Et avec ça, tu tiens quoi? Ton palmarès? 330D. Ouais. Mais 330D, ça fait 245 chevaux. Bon, après, j'étais un peu. Tu vois, c'est la même chose, tu vois. C'est un 330D cab, donc cab irrégulier, c'est plus lourd qu'un cab, tu vois. Parce que t'as plus de renfort et tout. Après, c'est terre. C'est terre. J'ai nos CTR, après c'était pas son grand truc, tu vois, c'est un copain à moi, tu vois. On a testé comme ça pour rigoler, tu vois, mais après, tu vois, CTR, on est côte à côte au début, après, tu vois, la CTR elle part normal, ouais. Tu vois, CTR ça fait 300. Elle est passée au banc aussi, mon pote avec sa CTR elle fait 315, ouais. Moi elle fait 260, tu vois. Donc après, ça va, il y a de quoi s'amuser. 40 chevaux de différence, après, il y a plein de voitures, tu vois, des.
Moi ça va. Non, en vrai, c'est un jeune permis, c'est cool. Bon, c'est vrai que ça te va mieux ça que la 3. Hein. Bah, pour aller au run, c'est sûr que. Pour non. aller faire les runners. Non, après, c'est tu pas... vois. En vrai, c'est une voiture que je conseille quand même, tu vois. Au jeune permis. Pour ceux qui, qui aiment bien les voitures, pour se faire plaisir et tout, tu vois. Après, c'est pas les moteurs les plus fiables, hein. Je te le dis direct. Ah ouais? T'as quelques soucis sur ce moteur-là. T'as la pompe à huile. Pour ceux qui connaissent, qui connaissent bien les Volkswagen, ben, les Golf 5 GTI et tout, ils savent que dessus t'as la pompe à huile. Et en fait, le truc, c'est que la pompe à huile, elle casse. Mmh. En gros, et du coup, en gros, si t'as plus de pompe à huile, du coup, t'as plus l'huile qui circule dans ton moteur. Ouais, ouais. Donc, ton turbo est plus lubrifié et tes cylindres, il n'y a plus rien qui est lubrifié. Donc, tu vois, et d'un coup, ça va s'afficher pression d'huile et ça sera trop tard. Mmh. En gros, là, le problème, c'est qu'à tout moment, là, je roule. Ouais. On arrive vers chez toi et là, bam! Ouais. Ouais. Et là-bas, voilà. Ouais. Moteur. Après, c'est fini. C'est fini. On peut rentrer à pied. Tu penses qu'on va t'entendre là avec la ventilation? Oh, j'ai du chaud là. Mais sinon, voilà. En tout cas, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils peuvent te suivre sur Insta. Tu ouais. poses des petites stories de la voiture. Que des stories. Après, en vrai, j'ai commencé à faire des plus belles photos. Là. Le mec que je connais. C'est quoi ton Insta? Tu peux être. Marius BKLF, mais je pense que je vais changer. Ouais, c'est plus Radio by Marius. Ah ouais, faut que je trouve un nom, tu vois. GTD, GTI by Marius. By Mamar. By Mamar. Ouais, exactement. Non. Moi, le problème, c'est que je suis trop comme ça, tu vois. Comme ouais. avec mes motos, bien sûr. Ouais. Moto, je changeais tout le temps. Ouais. Voiture, mon A3, j'ai gardé deux mots, même pas. Mm. En fait, j'ai acheté avant que j'ai le permis, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai roulé, et puis voilà. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, s'ils ont des questions, voilà, sur Instaboul. Instaboul ou commentaire, je réponds. Voilà, bon. En tout cas, les amis, sur cette deux bel arbre magique pour que ça sente deux fois plus bon. Rien. Ouais, d'accord. Ils sont noirs, ils sont aux couleurs de la voiture. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce genre de vidéo. Voilà, c'était Loé Marius. On vous souhaite une excellente après-midi. Bon après-midi à tous. Attention sur la route. Attention sur la route parce que ça glisse. Et on si garde. Si vous êtes en golf, faites attention au fossé. Au fossé? Parce que voilà. Et on garde le permis. Et on garde le permis. Voilà. En tout cas les amis, ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking rip?